Hey hop tout le monde, c'est Shanti et on est de retour sur Valfaris pour encore plus de sel, voilà. Je vais dire ça comme ça, parce que le sel est présent, ça c'est sûr. Alors, ok, le truc c'est fermé. Ah boss! What the f... Ok. Qui ose perturber mon sommeil? Est-ce que c'est Therion? Itnan, mon frère, j'aimerais dire... Je suis content de revoir, mais ce serait un mensonge que... Je pensais que Vrol t'avait banni dans le néant. Son frère, t'as eu la différence de taille? Ah! Notre triste père s'est senti menacé par le pouvoir qu'il a vu en moi. Il m'a donc exilé, laissé pour compte dans les ténèbres. On se trouve Vrol. Son règne chaotique a répandu le malheur sur nos terres et au-delà. Bravo. Nous devons nous venger. C'est peut-être vrai, mais Vrol n'est plus là. Ce n'est plus mon problème. Par contre, toi, tu en es un. Tu n'auras pas dû revenir, Therion. Ok, je vais en prendre plein la gueule. Yes. Pour le moment, il a l'air d'être très très teubé. Je sais pourquoi il tire sur le... Pourquoi il me tire pas dessus en fait? C'est ça que j'aimerais bien que savoir. Mais d'accord, hein, l'IA me tire pas dessus. Bon, je me prends quand même des coups parce que je suis con, mais... Blablabla. Allez, après on est reparti. Regardez. Genre là, tu sais. Know it. I know it. Je le savais, bordel de merde. Mange. Mange tout ce que tu peux manger. Dans ta face. Ah, peut-être pas lui. Ok, je vais encore me voir des coups sur la gueule. Aïe 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 aïe. Non. Putain. Je l'avais vu. Bon, après ça va, ce boss fait moins rager parce qu'il a un pattern quand même un peu foireux. Bon, du coup ça passe. Mais genre quand il fait ça, bah moi je suis tranquille. Bon ça va, j'étais pas dessus là. Oui. Mais le pire c'est je vois le laser qui s'affiche, je me dis ouais saute et j'appuie sur le même moment. Ne saute pas. Bon. Vas-y. Ah oui, forcément, fallait que tu prennes tarif sur la tronche. C'est
C'est en soi, il est facile à tuer. Par contre, ça, c'est moins marrant. Mais en soi, il est facile. Putain. Je suis nul à chier. Je propose que vous comptiez combien de morts j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est vous qui faites le taf. Et moi, je glorbe. Après, j'ai plein d'endroits où je peux me déplacer. Je pensais que j'étais juste bloqué en fait ici de ce côté-ci, mais je vais devoir en fait que la zone est super fat. En fait, tant que je suis ici, il peut pas me tirer dessus. Bon, bah, du coup, il m'envoie plutôt des trucs dans la gueule. Si je me mets là, il peut pas me tuer. Enfin, si, en faisant ça, mais. Il y a des bords. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais, Shorty, au lieu de faire n'importe quoi. Ouais, comme j'ai dit, il est pas compliqué, mais c'est quand même la merde. C'est quand même la merde. Hein. Alors, hop, on a ça. Bon, là, ça va, c'est pas de problème. Vous allez pour le bruit chez moi. Non mais non. Ok, je suis encore mort. Tout va bien. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Ok, bon, on est reparti. 42e retry. Est-ce que ça peut aussi prendre des dégâts? Y'a quoi par là? Y'a rien. Oh oui. Je viens d'avoir un truc de rage illimité pendant une phase de boss. Ah putain, je me suis trompé de touche. Bon, je lui ai fait quand même pas mal de dégâts, je vais verdorer avec l'épée en lui rechant dessus comme ça. Ouais. À quel moment j'ai le truc qui repop ici? Donc si je reste de ce côté-ci, on a un truc de rage illimité qui pop. C'est bon à savoir. Bon. On va faire attention quand même, un minimum, ça serait cool. C'est un moine.
zone protégée de ça. Ah donc non, en fait c'est quand il tire là-dessus. Ok, donc c'est quand il tire là-dessus en fait que les piliers cassent. Parce que je me disais, mais pourquoi des fois il y a les piliers, enfin sur le bas il y a des piliers, des fois il y en a pas. C'est pas ça en fait, il casse les piliers ici. Moi je peux pas les casser. Nul. Bon ça va, c'était pas sûr. Par contre le fait là qui... Merde. Ouais comme je dis en fait il est pas si compliqué que ça mais le truc en fait c'est en fait ce que j'ai l'impression c'est qu'il tire de plus en plus vite. Son rayon en fait son laser de ça s'affiche moins longtemps. J'ai pas fait attention qu'il y avait une petite tête à l'avant de quand je tire en fait avec cette arme là il y a une toute petite tête qui s'affiche. Pas trop d'idée de comment le tuer facilement en fait. Là vraiment ouais là ce qu'il me faudrait vraiment ça serait genre de la vie. Mais putain. Tu m'expliques pourquoi j'ai sauté à ce moment-là? Je touche le sol, mon personnage, je rebondis quoi. Fait. Non, the floor is lava. Ah, on va passer quand même cet épisode dessus. Hein. C'est sûr. Il est chaud. Enfin, j'ai l'impression en fait que plus. Enfin, c'est logique en même temps. Mais plus on avance, plus ils sont chauds. Enfin, plus c'est des putains d'éponges à balles. Imaginez le bordel que ça aurait été de me tuer si par exemple j'avais pas ça amélioré. Vous voyez la différence de dégâts déjà, juste en faisant ça. Je vais crever. Oh putain. Là clairement, là j'ai cru. Zen Shorty, Zen. Tu peux le faire, tu peux le tuer. Yeah.
Ouais, ça va, j'étais pas dessus là. Bah oui. Bien évidemment. En fait, il se téléporterait pas. Enfin, son nuage de fumée ferait pas autant de dégâts, ça serait. Ça irait. Enfin, son nuage de fumée là, il se barre avec des millions de mythes qui lui ont bouffé la sienne. Alors. Je suis sûr, il y a des endroits qui sont morts. Bon, je vais juste me contenter de faire ça. Hein. Est-ce qu'il va bien mourir? Non mais pourquoi j'ai sauté, il était à un pixel de vie. Pourquoi j'ai sauté, abruti. Pire joueur ever là, bordel. Attardé congénital va. Mais putain, mais j'ai sauté là. Je suis trop con. Beaucoup trop con. J'aimerais savoir quand même combien de morts. Combien de fois je suis mort. Non mais fallait que tu viennes ici hein, toi. Bah oui, fallait que tu viennes de ce côté-ci. Tout se passe bien, mais tu passes de ce côté-ci quoi. T'as bien compris. Que si tu restais là, c'était bon, mais quand tant que tu fais ça, tu peux rien faire contre toi. Bordel. Voilà, bon, un tiers de sa vie en moins, ça c'est fait. Voilà. Ouais, c'est mort, allez, salut. Voilà. Top crash, t'as été nul. Eh, vie. Ah là là, putain. J'aurais pu le tuer, il y a 3 retry, 4. Mais non, fallait que je saute comme un teubé. Bordel. Appelez-moi connard. Mais lâche-moi, bordel!
Putain, la bestiole, elle m'a attrapé, elle a commencé à me boulotter le crâne. Du coup, je pouvais plus sauter. Bon, au moins maintenant, je sais que la bestiole, quand elle va faire ses dégâts, c'est pour te bouffer la tête. C'est un peu des crabes en fait. Oh, ça va, j'étais pas dessus là. Si. Mort parce que j'ai fait de la merde. Regardez-moi les bons vieux jeux où avant les ennemis sortaient pas de l'écran pour te niquer ta race. Mais putain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors. Bon, son premier tiers de vie, ça va, il est facile à faire partir. C'est après que ça se conclut. Mais putain, abruti. Ouais, faudrait vraiment faire un compteur de mort, savoir combien de fois je suis mort comme une grosse merde. Sur mon connard de frère, là. Conclusion, n'ayez jamais un frère. Un jour, il pourrait vous casser les couilles et vouloir vous tuer comme ça. Non, mais ça va, là, j'étais pas dessus. En vrai. Hein? Tellement facile ce jeu. Le let's play de la rage sur YouTube. Disponible en 82 épisodes. Oh, ça va. Allez. Non mais putain, mais pourquoi je fais ça moi?
Non! Donnez-moi des idées, comment je vais l'appeler cet épisode? On peut descendre là? Bon, au pire, quand je me prends une boulette dans la gueule... Quand je me prends une boulette dans la gueule, à la limite, je peux continuer à lui tirer dessus. Donc les bestioles, quand elles sont en mode roule, Valfacel. Ouais, c'est ça, la grid. Ouais. Le pire, c'est comme je dis, tu sais, il y a genre 10 minutes, j'aurais pu l'avoir, mais non. De quel côté? Voilà, je me fous là. J'attends. Je peux casser les boulettes. Ah oui, parce que c'est une boulette. Ok, donc c'est ce bloc là en fait qui gagne. Ok, donc c'est le bloc du milieu en fait, quand il est cassé, qui donne le truc qui me permet d'attaquer en continu. Ouais, ok. Le truc en fait, c'est qu'il fait son attaque en l'air seulement quand je vais l'attaquer. Ouais, là en fait, c'est ça. Le truc en fait, ça, son nuage, c'est juste ignoble parce que ça te fait tellement de dégâts d'un coup que... Après, je peux le forcer à partir, donc... Si je vais l'attaquer au cac, en fait, je le force à bouger. Donc au pire, ce que je peux essayer de faire, c'est de le buter juste en full cac. Je défonce ces trucs là, et puis je le défonce au cac.
Voilà, là il va se barrer. Ouais, je pense que ça sera le plus simple là. La puissance du corps à corps. Et là, j'ai des roquettes pour le tuer. Voilà. Vu que de toute façon, les attaques au cac me redonnent des trucs pour les roquettes. Bah oui. Sois maudit, Therion. Bah ouais, j'aurais dû faire ça directement. Je l'ai dit, en plus, le pire, c'est que sur le boss avant, j'ai fait pareil. J'ai fait que bourrer au cac, me barrer, bourrer au cac et ainsi de suite. Et c'était bon, tu vois. Et putain. Frère de sang, c'était votre frère. Oui, Itnan était un autre fils de Vrol. Un fils de pute, ouais. Nous n'étions pas vraiment proches. Bah ouais, la preuve, hein. J'avais que comprendre. C'est vrai que c'est une femme, hein. J'avais que comprendre. Alors. Yes. Je meurs tellement de fois que j'ai eu qu'un truc, quoi. Bon, je peux pas tirer. J'ai lancé une analyse schématique et nous nous trouvons actuellement au noyau même de Valfaris. Toutes les données du réseau de la citadelle passent par ce point. C'est fascinant. Par où dois-je aller? Ils s'en bat les couilles. J'ai repéré une forte concentration d'activité. Retourner à la surface, pas de problème. Bon bah voilà. Tunnel des Verts. Donc bah voilà. Petit épisode de 32 minutes sur le même boss de mort. Mais au moins on l'aura eu. Alors qu'il suffisait juste globalement que je spam le cac. Voilà. Aujourd'hui personne ne le départ. Donc sur ce, bah merci à ceux qui ont regardé cet épisode jusque maintenant. Et n'oubliez pas, l'apocalypse c'est bien, mais pas trop. Ciao, ciao, à la prochaine bande de sages.